N'ap salye tout moun kap suiv nou sou platform Haiti Connection. Sa se wik geopolitik ki antre la kay. Kap gen pou informe ou de aktualite boulan nan internasyonal la. E kap gen pou forme tout sou situasyon geopolitik moun la. E pou moun ki kon abitue suiv nou, si yon nouvo forma. E forma sa nou pral fèl de fason plou regulyer. Ok? E li ap 2 a 3 fwa par semen kote ke nap fè yon kout. Analyse sous situation géopolitique monde. Il y a plusieurs actualités qui ont dominé géopolitique là, qui c'est la mort et de Sa Majesté Reine Elisabeth, mais nous préférons et prendre un sujet du jour ça, qui c'est plafonnement du prix des produits pétroliers russes au sein des pays membres du G7. Proposition ça a été faite par Fumio Kishida, premier ministre japonais. Dans une rencontre, il était gagné avec homologue et G7. Homologue et G7 Lio, auquel il était fait proposition. Et les États-Unis avec la colique Lio ont jugé que c'était une très bonne idée et alliés américains avec les États-Unis décidé dans le mois qui venir puis au mété. Initiative ça en application. Donc nous allons analyser, nous allons regarder pour nous voir est-ce que pays G7 a une capacité pour nous faire ça, et si on fait ça pour qui est la bon, est-ce que il peut aggraver situation inflationnelle qui la caillera, et d'une certaine façon et depuis qu'on fait là aussi a touché économiquement quand même. Eh bien, pour nous commencer, qui ça plafonnement? Plafonnement, plus souvent, et nous connaissons ça dans les pays occidentaux, par exemple, ils comptent plafonner des séries de produits de consommation, c'est-à-dire produits alimentaires, et ils comptent plafonner prix immobilier, prix loyer. Ok? Donc, pour nous être plus clair, ça veut dire les plafonnés ont fixé un prix, mais puis souvent c'est son période qu'on fixe prix en produit pour un bagage quelconque. Ok? Eh bien, c'est ça que vous voulez faire là aussi, parce que vous connaissez le prix produit pétrolier, à savoir baril pétrole, 1000 mètres cubes gaz. Là. Ok? Produit ça, yo. Il est vraiment volatile ou bien influençable. Ça veut dire que on est président qu'on élu pour y monter pour y chuter. On président qu'on prend décision qu'on fait déclaration, il y a effet sous prix du sable. Et c'est presque même bagaille pour bourse. Il n'a pas les bourses de Londres, bourse Wall Street ou qui 440 français. Ok, donc événement au pays comme champion du monde et puis où elle il fait ce coup. Donc là nous prenons un événement majeur tant que guerre en Ukraine. Donc nous capables ouais prix baril pétrole avec 1000 mètres cubes gaz là. Ok, dit 2.5 à 3 fois plus cher qu'avant la guerre. Et bien c'est dans optique ça que nous avons décidé de plafonner prix produit pétrolier russe pour la Russie pas faire trop l'argent pour que yo capable de gêner Vladimir Poutine. Et bien qu'on a on regarde qu'il y a pays qui dans G7 qui est suivi, est-ce que une capacité pour faire ça, si une ouvre, est-ce que c'est deck, est-ce que tous ses clients, et si au client est-ce que yo extrêmement important pour déboucher Russie. Et bien là on prend la liste. Premier pays c'est les États-Unis. Les États-Unis c'est deuxième plus grand producteur de pétrole au monde derrière l'Arabie Saoudite. Et lui-même avec Qatar, la Russie, il y a ces trois plus grands producteurs de GNL au monde, c'est-à-dire gaz naturel liquéfié. OK? Et l'autre Canada, c'est même caractéristique qu'il y a avec les États-Unis. À la différence, les États-Unis ont importé 8% de pétrole dans la Russie. Mais depuis 2 mois après la guerre, ils suspendent
pétrole directement dans la Russie. Si vous prenez le prenez l'autre façon, mais vous prenez directement dans la Russie. Ok? Et bien, troisième pays, nous prenons le Royaume-Uni. Royaume-Uni, c'est un exportateur de gaz sur le marché européen. Mais ils achètent gaz et pétrole dans la Russie. Mais ils prévoient, d'ici fin 2023, ils ne pas prendre gaz encore. Et ils ne pas prendre gaz encore. Non, mais la Russie. Ok, donc nous prenons trois pays. Donc, nous parlons pas qu'on y a là en G7, il y a trois pays, Union, qui en Union européenne fait partie G7. Gagner l'Allemagne, gagner la France, gagner l'Italie. Eh bien, nous prenons la France d'abord. C'est que la France, par rapport à l'Italie et l'Allemagne, n'est pas un grand importateur de gaz ni de pétrole russe. Par contre, la France gagne deux grandes sociétés qui gagnent en pile matériel de haute technologie de fourrage et d'extraction de pétrole, qui c'est Total avec Engie. En Haïti, nous gagnons Total. Ok? Eh bien, société ça, yo même, détenteur de grandes actions. Donc, pas quelques gros gisements là aussi gagnent sur le territoire là et même en dehors du territoire russe. Donc, presque tout côté où est Gazprom ou Rosneft, eh bien, ou souvent où est Total accompagné. Donc, pour nous voir quelques exemples, les nous prenons projet Yamal dans le cercle polaire et dans le cercle polaire là aussi. Hein? Et Yamal 1 an, Total c'est détenteur de 20% et Yamal 2 encore il détenteur une grande action dans projet ça. OK? Pas oublier Yamal là pour nous comprendre ça qui Yamal là. Là aussi gon accord signé avec la Chine 400 milliards de dollars sur 25 ans de livraison de gaz. Donc là 400 milliards de dollars que Total gagne 20% la donne. Donc nous ca comprendre donc Total son grand partenaire dans le projet. Et il y a mal deux encore, ok, que la Russie a construit et fait que soit lancé construction, hein? Ok. Donc, Total encore, c'est un gros détenteur d'action dans le mal deux. Il y a gagné Mitsubishi, ok, gagné, film indien, donc il a dedans. Et sans compter dans Sibérie orientale, Total vraiment présent dans le domaine énergétique russe, de même pour Engie. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que, il y a des décisions si l'Union européenne prend, même la France par un grand acheteur de pétrole russe, avant la guerre, l'importation de produits énergétiques russes était représentée 17% de la consommation française. Là. Oui, donc, après la guerre, ça s'est chuté, ça s'est chuté à 4%. Et finalement, là aussi, il n'y a pas payé au temps, là aussi, il n'y a pas payé. Donc, ça veut dire que si là aussi, tu as décidé avec décision, ça n'est pas vendre l'Union européenne gaz encore, Total, avec Engie, a perdu l'argent. Parce que, c'est co-actionnaire avec moteur et production énergétique russe. Il y a deux autres pays qui sont dans l'Union européenne, qui c'est l'Allemagne avec la France. Deux pays ça en volume et en pourcentage. En volume, il y a ces deux plus grands consommateurs de gaz russe. Parce que AO2 là aussi représente 40% de consommation avant guerre. Ok? Et donc, mais par contre, deux derniers mois qui se passent là-haut, on dit deux à trois derniers mois qui se passent là-haut, la Russie passe suspendre, réduit et livraison de produits énergétiques ça dans pays dans deux pays ça. Ok? Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que trois derniers mois qui passent au pays ça en termes de poids, de perte du poids dans les yeux là aussi, parce que là aussi, qui réduit la quantité de gaz qu'on livre à l'Italie jusqu'à 20% de capacité. Li. Et l'Allemagne est descendue à 40% jusqu'à 20% et à l'heure actuelle, et tuyau gazoduc Nord Stream 1
li kanpi, la Roussi pa livre gaz la dan anko. Donc, deux pays sa nan pale la, ou nan mouman sa yo, yo pa gen yon importans reyel. Men ki lot aspek ki gen, se ke, menm la nan pale de gaz e de petrol, men gon diferans, pou petrol la menm, autorite Union Européenne te deside en décembre, pou ke yo pa livre, yo pa ordonne peyi achete petrol rouste. À l'exception Hongrie avec quelques états dans Balkan qui viennent acheter pétrole russe juste en 2024. Donc ça veut dire que et trois pays ça vient presque pas vraiment représenter rien pour la Russie dans le domaine pétrolier parce que à partir de décembre année ça n'a pas allé là, yo pas acheter pétrole dans la Russie. Mais par contre, au prend Hongrie et d'autres états Balkan, consommation énergétique Russie, consommation de produits énergétiques russes représentait 90 mais même presque 100% parce que Guinée qui pas gagné accès à la mer. Donc une décision comme ça est capable d'entraver. Quoi à trois derniers nous sommes pas six pays là dans G7 les n'a regardé pays ça yo vraiment ni dans mon parlé là ni dans avenir proche yo pas capable vraiment influencer ou faire mal avec la Russie dans décision qui t'a relé plafonnement prix produit pétrolier russe. Mais pays nous prend décider pour en dernier qui c'est le Japon. Le Japon c'est un grand consommateur de gaz russe avant crise et coronavirus là et le Japon et la Russie est le deuxième fournisseur de gaz naturel liquéfié derrière l'Australie. OK? Coronavirus c'est toute bagaille et on va prendre quelqu'un qui perd du place. OK? Et donc jusqu'à présent il était un grand marché pour la Russie. Ça veut dire que d'ailleurs nous voit que Vladimir Poutine dit que c'est vers l'Asie que il va moderniser infrastructure pour livrer produits énergétiques ça. Donc, tout pays c'est ça, c'est le Japon qui est capable de faire mal avec la Russie. Mais pendant que la fait mal, la Russie pas il a fait mal à tout. Parce que non pas la Russie livre pétrole, la Russie livre en pile gaz naturel liquéfié. Donc, si la Russie, le Japon a pris un plafonné prix pétrole et la Russie a dit qu'il ne peut pas vendre gaz avec le Japon, c'est le ça l'a fait la Russie mal parce qu'il a perdu un gros client. Donc, quand il y a là pour nous finir, on prend conséquence. Qui conséquence ça a gagné? Comme nous tous dans le Japon, on a tout pris conséquence qui a gagné au Japon. Là, nous prenons l'économie japonaise, son économie qui a marqué pas sous place depuis 2012-2013. Pour nous comprendre, ça m'a dit non. Le Japon a un PIB de plus de 5 000 milliards de dollars. 2012-2013. Alors que dans l'année n'a parlé là, le Japon a moins que 5 000 milliards de dollars. Donc son économie qui pas marché du tout, qui ont décennie dans une période de stagnation. Pour nous comprendre, me dit non, les États-Unis dans période ont un PIB de 15 000 milliards de dollars. Alors que les États-Unis n'ont pas la voilà, ils ont un PIB de plus que 20 000 milliards de dollars. Donc de période ça à période de période de la le Japon qui a 5 milliards de dollars que les gars font pas sur place alors que la croissance économique américaine a cumulé total PIB que tu gagné 10 ans de cela. Donc qui ça peut passer, il peut monter inflation encore plus au Japon et encore là c'est sûr là aussi pour prendre des mesures drastiques contre les mêmes tout qui va faire qui ça qui va faire que produits technologie japonais comme Toyota et autres russio va importer au moins. Donc d'une certaine façon toute sanction, toute mesure de rétorsion de restriction ça a eu un effet boomerang. Pour retourner sur pays et Union européenne yo, c'est que pays Union européenne il y a déjà une inflation qui décide du pays qui a 10% il décide qui a 10% pays inflation taux inflation qui bas c'est pas la France là
mwen ki a 6%. Oui, mwen ki a 6%. L'Allemagne c'est 9 point combien? Et gain de pays dans Balkan qui même à 20%. Donc si la Russie décide que li di li pap livrer gaz et pétrole avec la Hongrie et pays Balkan, c'est là pral gen problème par le fait que pays Balkan gagne c'est de 80 à 100% de consommation de produits énergétiques que la Russie vous présente. Et dernièrement, le gouvernement Viktor Orban de Hongrie déclare que il y a un nouveau accord avec la Russie qui a plus de 5 millions de barils jour qui a reçu dans la Russie. La population tellement contre les manifestations de joie. Et pour que la Russie dise qu'il n'y a pas honoré contre parce que l'Union européenne prend une décision, c'est que la décision européenne a prévu à prendre la passile de question reliée à l'unanimité de décision Union européenne à plein. Ça veut dire ça. Si nous suivons l'Union européenne, la Turquie n'a pas entré là-dedans par le fait que la Grèce est toujours posée vétoile avec Chypre, qui a toujours bloqué entre la Turquie dans l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne prévoit que les pays Balkans ont posé veto sous plafonnement pour gaz et pétrole russe. Il prévoit que pour passer parce que la loi européenne a le droit ça, puis passer non par le Parlement et de question à l'unanimité des États. Eh bien, nous-mêmes, ce qui ça nous prévoit, que une telle décision comme ça est capable de mettre Viktor Orban dans une situation difficile. Et que l'on veut ou non, Viktor Orban, c'est un autocrate. Tout ça qui a posé question d'un paquet d'États. Est-ce que il y a une place dans l'Union européenne ou pas? Ce n'est pas ça nous dit, mais c'est des prévisions quand même. Donc, pour nous prendre États-Unis, pour nous finir avec le Canada, il n'y a pas acheté, surtout le Canada, il n'y a pas vraiment consommateur de produits énergétiques russes. D'ailleurs, il y a presque une capacité avec la Russie. De même aux États-Unis. Donc, plafonner pour le produit pétrolier russe aux États-Unis et au Canada, c'est comme si nous avons bloqué le visage en Stevenson pour ne pas aller sur la Lune. Donc, pas vraiment son bagage nonsense. Donc, c'est là que nous campions, nous voulons faire ça et nous continuons à faire des analyses de temps en temps. À la prochaine. Ciao.